Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va se poser la question suivante. Faut-il invoquer sur le portail de Guan Bish / Piccolo Orange qui sort normalement le 28? Pour l'instant, on n'a pas de date. Mais c'était indiqué pendant le reveal, ils sortent le 28. Donc on va analyser leur kit. On va analyser également les unités side qui seront proposées. Pan et Trunks et Goten. Avant de commencer la VOD les amis, comme d'habitude, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis, le lien se trouve comme d'habitude dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, enfin à mes chaînes secondaires, Multigaming, dans la description, la chaîne consacrée à l'actualité pop culture, cinéma, série, animé, la chaîne Brice Duan, le lien de la chaîne se trouve également dans la description. Ah, la première bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. D'ailleurs, c'est peut-être la seule bonne nouvelle, d'ailleurs. Il y a 60 DS du live qui sont déjà disponibles. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà. Petite multi sur le portail de Guan Bish. Mais attendez, attendez. Est-ce qu'on claque les 60 DS sur le portail de Guan Bish Orange Piccolo, ou est-ce qu'on pack pour les 8 ans? Ah oui, ah oui, ah oui. Bon, on va déjà regarder ensemble les animations des nouvelles unités. On va commencer par Gamma 1 et 2 free to play, Pan et Trunks dans la foulée. Et free to play, on va pas dire grand chose, hein. Il y a quand même des gens qui ont cru qu'on allait récupérer Gamma 1 et 2 d'Oaken Fest gratuitement. Ah les gens, c'est beau de rêver. Hein. Mais c'est fini Noël. Ah oui, il y a aussi Gohan Free to Play qui passe TUR. Ça va. Pan, donc la l'unité side. Trunks et Goten. Fusion! Là, je crois qu'ils ont mis un budget de fou, là. Gros budget sur l'animation de Trunks et Goten. Bon, sympa, sympa, sympa. Pour les personnes qui veulent revoir les animations de Guan Bish et Piccolo, je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à droite pour revoir leurs animations. Bon, pour les personnes qui auraient raté l'information, malheureusement, il ne s'agit pas d'unité multiforme. Il se transforme via l'ActiSkill. Du coup, voilà quoi. Bon, on revient toujours à notre question. Faut-il invoquer Piccolo, Orange et Guan Bish? On va commencer par le kit de Orange Piccolo. Deux nouvelles catégories. Enfin non, une nouvelle catégorie, pardon. Super-héros. Alors, en fait, au début, j'ai eu du mal avec ce terme super-héros. Parce que pour moi, un super-héros, c'est un super-héros. C'est-à-dire quelqu'un qui a un costume de super-héros. Donc, référence aux comics. En fait, c'est héros, si j'ai bien compris, de Dragon Ball Super. Voilà. Donc, Dragon Ball, enfin, on va du coup, pour simplifier, on va appeler ça Super Héros, hein, vu comment c'est traduit. Donc, Super Héros ou catégorie prodige de combat, plus encore 30% s'il rentre dans les catégories lien maître-disciple ou héros de film. À ne pas confondre avec Super Héros. Là, ça commence à être un peu tricky. Héros de film, c'est tous les héros tirés des films. Et donc, Super Héros, c'est rien à voir. C'est vraiment héros des unités qui entrent dans l'arc. Bon, ouais. Enfin, l'air d'Hard Ball Super. Donc, méta 14%. Le passif, entrée en scène. Il gagne 100% attaque et dev, plus garde activée pendant 3 tours. S'il y a un autre allié qui rentre dans la catégorie lien maître-disciple dans la team. Garde activée pendant 3 tours. C'est mieux que les unités des 7 ans qui ont la garde activée seulement pendant un tour.
Attaque à plus 150%, il gagne qui plus 1 par sphère des qui obtenu, réduction de dégâts de 20%, plus encore attaque à plus 30% pour chaque attaque reçue, ça monte jusqu'à 150%. Tous les alliés gagnent qui plus 2 dans le même tour après avoir reçu une attaque. Si les PV sont sous la barre des 30% ou moins à partir du début du tour, et après que le perso ait pris 7 attaques, on récupère 100% des PV, un peu comme un Senzu. Voilà. Plus encore 30% de réduction des dégâts une fois qu'on aura activé ce passif. Alors récupérer 100% des PV c'est cool, mais bon, il faut que les PV soient sous la barre des 30% et que Piccolo ait pris 7 attaques. Ça fait quand même 2 restrictions. Mais si on arrive à activer ça, Piccolo va gagner 50% de réduction des dégâts, sachant qu'il y a déjà 20%. Donc 20% plus 30%, ça nous fait 50%. Ces stats de base sont assez intéressantes. Hein. 12 000 de def. Bon, l'attaque, c'est pas foufou. Hein. 13 000 et 17 000 en PV. Alors, les active skills, enfin l'active skill et les attaques SP. Alors, l'active skill peut être activé lorsque tous les alliés qui attaquent dans le même tour font partie de la catégorie super-héros à partir du 3e tour ou lorsqu'on affronte un seul ennemi à partir du 6e tour. La première attaque SP, on gagne 50% de def pendant un tour et 30% de boost d'attaque pendant un tour. On a 30% de chance de stun. La SP ultime, on gagne 50% attaque def pendant un tour et dégâts méga colossaux et on débuff l'attaque et la défense. Alors, j'avoue que la garde activée. La garde activée pendant deux tours. Le fait qu'il ne stack pas à l'infini. Je sais pas si on peut considérer ça comme une unité qui va tenir sur le long terme. Parce que contrairement aux LR des 7 ans, les LR des 7 ans stackent à l'infini. Mais pas Piccolo Orange. Donc j'avoue être un petit peu déçu. J'avoue que je suis un petit peu déçu. Maintenant, la carte est sympa, l'animation est sympa. Mais j'avoue que je suis un peu déçu. On s'attendait déjà à des persos transfo. C'est pas des persos transfo. Donc, c'est un peu pénible. Alors, une fois transformé en géant, on a 60 000 de boost d'attaque, ok. Le passif, on gagne qui plus 2 par sphère de qui obtenu. Lance une attaque supplémentaire qui a 30% de chance d'être une attaque SP. Ok. Les attaques SP, 50% de boost d'attaque pendant un tour, dégâts destructifs à l'ennemi. Ok. Et la SP ultime, 100% de boost d'attaque pendant un tour, et dégâts toujours destructifs. Rien de particulier. Bon, forme géante, hein. Géante. Est-ce que je suis déçu? Après, Piccolo dans sa forme géante, ça dure plusieurs tours. Donc on est invincible pendant plusieurs tours. Ça reste utile, non? Face à Cellmax. Non, j'avoue que je suis un peu déçu. Non, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, je suis déçu. Je suis déçu, les amis. Piccolo Orange. Franchement, je trouve que les LR des 7 ans vont mieux vieillir, les gars. Maintenant, si la réduction de dégâts de 50% en proc. Parce que c'est pas facile à activer. Hein. Il faut que les PV soient sous la barre des 30%. Si t'arrives à l'activer, c'est bien. Si t'arrives pas à l'activer, c'est pas fou, tu vois. Donc voilà. Bon, Piccolo, on enchaîne. Guan ultime, 16 000 en PV, 17 000 en attaque. Incroyable, 17 000, c'est pas mal, c'est bien. Ça envoie du pâté. 7500 def. Je répète. 7500 def. Parce que dans le film, on est d'accord, hein, Cell lui met une patate et Gohan il fait hein, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux quoi là? Tu veux quoi? 7500.
Alors, son kit, enfin le lit déjà. Super héros slash métis. Métis, c'est pas mal, ok. Plus 30% s'il rentre dans la catégorie parent-enfant et, enfin, ou film. Donc ça, je pense que les 400%, on aura pas mal le choix. Le passif, entrée en scène, il gagnera 100% de boost attaque et def, plus la garde activée pendant 3 tours, à partir du moment où il y a un autre allié qui rentre dans la catégorie héros de film, non, parent-enfant, pardon, qui se trouve dans la même team. Donc active skill, enfin entrée en scène, pardon, identique à Piccolo, donc garde activée et 100% attaque et def. 3 tours. Attention, 3 tours les gars. Sinon, il a attaqué plus 150% de base, plus encore ki plus 1 pour chaque sphère de ki obtenu, comme Piccolo, plus encore attaqué plus 30% pour chaque attaque spé réalisée. Là, ça diffère de Piccolo. Lance une attaque supplémentaire qui a 70% de chance d'être une attaque spé quand la jauge de ki est à 20. Attaque efficace quand tous les types ont la jauge de ki est à 24 ou après avoir utilisé l'active skill. Là, ça, pas mal. Là, c'est pas mal. Donc, dégâts efficaces, double attaque spé. Ça peut faire des bons dégâts. Et 50% de chance d'annuler les attaques spé de type blast. Par contre, pas de réduction de dégâts. Voilà, voilà. Donc il est offensivement incroyable, défensivement bah, un peu à la traîne pour tout ce qui est contenu endgame. L'active skill peut être activé lorsque tous les alliés qui attaquent dans le même tour font partie pardon, dans la catégorie super-héros. À partir du 3ème tour ou lorsqu'on affronte un seul ennemi à partir du 6ème tour. Un grand boost d'attaque, attaque mono-cible qui désactive une action durant le tour. Ok. Les attaques spé. Les attaques spé, attaque et def. Non, attaque, 50% de boost d'attaque pendant un tour, 30% de boost de la défense pendant un tour. Les colossaux et 30% de chance de stun. L'attaque spé ultime, 50% attaque et def pendant un tour, dégâts méga colossaux et debuff l'attaque et la défense. C'est exactement le même kit que Piccolo Orange. C'est le même. C'est le même. Bon, voilà. Très honnêtement, c'est pas une unité qui va. C'est pas un investissement sur le long terme. Je viens de te dire. C'est pas Trunks Vegeta, c'est pas Bird Coup. Même je trouve que les LR 17 ans, c'est un meilleur investissement parce qu'ils stack à l'infini. Ils ont le contre. Ils peuvent annuler plusieurs fois les actions parce qu'à chaque fois qu'ils partent en spé ultime, une fois transformés, ils annulent la prochaine action de l'adversaire. Alors que là, l'annulation de l'action ne se réalise qu'à partir de l'active skill. On peut le faire du coup qu'une seule fois par combat. Après, bon, Gon peut annuler cet aspect de Blast. Mais c'est que 50%. Mais le fait qu'il stack pas à l'infini, pour moi, c'est un problème quand même. C'est un gros problème. Et surtout que sa défense de base, elle est très très basse. Hein. Pas sûr qu'il survive à une spé de Gon Beast. Hein. De Gon Beast. Pas sûr qu'il survive à une spé de Cell Max. Même de Broly, même, je vais te dire. Non, offensivement, il va faire très très mal. Dégâts efficaces, double attaque spé. Bah, c'est comme LRD 7 ans. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Plus l'active skill, attaque mono-cible, qui fera pas mal de dégâts. Mais c'est pas une unité, comment dire, qui va durer sur le long terme. Je pense que dans un an, il risque, quand tu n'as pas de doublon, il risque d'être un peu juste. Je pense pas qu'il tienne à Broly. Bah, oui. Sa défense est vraiment trop légère en fait. Bon, on enchaîne avec Trunks et Vegeta et après on finira par la conclusion. Trunks et Goten créent des ki agilité, attaque plus 100%, plus encore attaque plus 10% plus attaque plus 10% lorsqu'on part en spé par allié qui rentre dans la catégorie super-héros dans la team. Plus encore attaque plus 100% si on prend 3 sphères de ki ou plus. Plus encore 50% de def et 50% de chance de faire un coup critique quand on prend 5 sphères des ki ou plus. Plus encore 50% de boost d'attaque et 70% de chance de faire une attaque spé supplémentaire quand on prend 7 sphères des ki ou plus. En gros, il crée des ki et si tu arrives à prendre 7 sphères de ki, tu vas lancer 2 attaques spé
Tu as pas mal de boosts supplémentaires au niveau de l'attaque et de la défense. Plus encore des 50% de chance de crit. Après, en termes de stats de base, il a 5000 de def, 8700 en attaque, 9000 en PV. C'est pas un Dokkenfest, quoi. Faut pas s'attendre à des gros dégâts. Pas foufoutière. C'est pas un support. Il crée juste des ki. Enfin, il crée juste des ki. Enfin, c'est juste un support par rapport au ki, mais vu qu'il a besoin de ses ki pour performer, je peux pas, considérer ça comme un support. Vu qu'il donne rien aux autres, en fait. L'attaque spé, attaque pendant un tour, et il bloque l'attaque spéciale. Voilà. Pan, elle a 7000 en PV, 9000 en attaque et 5200 en défense. Pan, le passif ki plus 2, attaque plus 150%. Pour la catégorie super héros, elle aura ki plus 1 et 30% de stats. Plus encore ki plus 1 et 20% de stats pour les alliés qui entrent en plus dans les catégories lien parent-enfant ou lien maître-disciple. 30% de chance d'esquive, plus encore 30% d'esquive en plus. Voilà, lorsqu'on affronte un seul ennemi, donc 60% d'esquive. Alors, je sais pas si ça additionne ou est-ce que c'est 30% à part. C'est 30% d'esquive une première fois et puis encore 30% d'esquive une seconde fois. Lance une attaque supplémentaire qui a 50% de chance d'être une attaque spé lorsqu'on affronte deux ennemis ou plus. Et puis attaquer le plus 100% et 50% de chance de faire un coup critique pendant 4 tours après avoir esquivé une attaque. Le kit de Pan est pas dégueu. Parce que du coup, elle peut donner ce qu'à 50% de stats à Guan Bis par exemple. Et à Orange Piccolo. Et puis l'attaque spé, elle a 50% de chance de stun. Donc très bon perso pour les Battle Road. Donc sur le papier, j'ai une préférence pour Pan. Voilà. Bon, bah on fait le bilan calmement. Le bilan calmement. Bah, je suis déçu. Je suis très déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ah là, j'avoue que c'est dur de ne pas montrer sa déception. Les animations de Piccolo sont sympas. L'animation de Gohan, c'est Gohan ultime, quoi. Donc, il n'y a rien de foufou. Gohan, c'est juste l'active skill qui est incroyable. Piccolo est pas mal. C'est juste que le fait que ce soit un géant soit un peu décevant. Donc voilà. Le fait que ce soit pas des persos transfo, déjà que ça fait c'est dur, tu vois, c'est dur. C'est très dur. Le fait que ce soit pas des persos transfo, le fait qu'ils stackent pas à l'infini. En fait, ce serait pas des persos transfo à la limite. Mais qui stackent à l'infini, les gars. Stacker à l'infini. Ouais, Piccolo est tank, mais il faut que tes PV soient sous la barre des 30%. Donc je pense que quand on est sous la barre des 30%, Piccolo, il devrait tanker Cell Max. Avec tout le passif activé, hein. Gohan, il tank jamais Cell Max. Jamais. Donc, ah là, j'avoue, faut-il invoquer En fait, sur la Jap, le problème, c'est que les 8 ans, c'est dans un mois. C'est quasiment sûr que les unités des 8 ans seront meilleures. Même sans les 30%, ils tankent. Juste avec 20% de réduction de dégâts. Ok. 500 000 après la double spé. 500 000, c'est pas beaucoup. Hein. 500 000, même s'il y a une réduction de dégâts de 20%. Mais en tout cas, je suis grave déçu. Hein. Maintenant, la question, c'est qui va invoquer. Qui va invoquer, les amis? Qui va invoquer? Non, en vrai, évidemment, on va invoquer pour Guan Bis. L'active skill est magnifique. Mais voilà, je sais que c'est pas une unité qui va tenir sur le long terme. C'est pas un investissement. C'est pas. Ça vaut pour moi. Clairement, ça vaut pas Bird Coup, ça vaut pas Trunks Vegeta. Je préfère même les gamins. Les gamins. Gamma 1, il tank. Gamma 1, il tank Cell Max. Hein. Bon, pas Gamma 2, mais. Non, j'avoue que là. Ah, le pétard, il est bien mouillé là. Je peux pas le faire stack à l'infini, ça serait trop. Non, mais pas un stack de 50%, un stack de 30%, voilà, ou 20% comme les LR des 7 ans. 20%, voilà. Franchement, je dirais même, tu vois, les LR des 7 ans, c'est un meilleur investissement. Bah, ils stackent à l'infini.
Eux aussi, ils ont les dégâts efficaces. Ils ont aussi la double spé. En plus, eux, ils peuvent annuler à chaque fois qu'ils partent en spé ultime une fois transformés. Ils peuvent annuler une action. Ils ont un burst incroyable. Bah, comme Gohan Beast. Et le fait qu'ils puissent contrer les attaques spé avec la spé ultime pour Gogeta et le fait que... comment ça s'appelle le duo SSJ God peut esquiver des attaques spé, bah ça les rend un peu plus viables. Gohan Beast, il a ni l'esquive, il annule l'action qu'une seule fois avec l'active skill, pas de stack à l'infini, il a 7500 def. 7500 les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas beaucoup en fait. Si je prends juste les LR sortis récemment, je compare. Hein. Lui, il a 8400. Donc tu retires 2000. 8400. Lui, il a combien? 9000. 9700. Bon, lui, il est pas récent. 8000. 8900. Lui, il a combien? Ah, lui, il a 10000. Donc 10 000, donc ça lui fait 8900 aussi. Tiens, on va prendre les LR des 7 ans. Pff, ouais. Ah non, attends, j'ai 4000. 4000, donc je suis à 9000 là. 9000 de def. 9000 de def ici. Et l'autre, il est où? 3300. Donc là, je suis à 8000 et quelques. 8700. Mais 7500, c'est... Ben, là, clairement, c'est le LR qui a le moins de def sur les LR sortis récemment. Lui, il a 10 000. Hein. Même lui, il a plus 10 000. On va prendre Mireille Gohan. 4 000. Même lui, Mireille, en a plus. Il a 9 000. Ah non, c'est trop, les gars. Attends, on va voir côté extrême. Gata Isamasu. Gata Isamasu, il a 8400. 8400. Lui, il a 9000. Lui, il a à peu près 9300. Lui, il a combien? Il a 8900. Lui, il a 9000. Non, mais 7500, je crois que c'est le LR qui a la valeur de défense la plus faible. Hein. Sorcier cette année. Hein. Voilà, c'est choquant. C'est choquant. Donc voilà, les amis. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez invoquer ou pas? Mais j'avoue que leur kit va mal vieillir. Hein. Ils ont dû sortir en mars. C'est vrai que le film a été décalé. Hein. Le film a été décalé. Ouais, le film est décalé. Ça se trouve, en fait, ils auraient dû sortir avant peut-être l'anniversaire. Avant le Tanabata. Enfin, avant la célébration palier. Ils auraient peut-être dû sortir avant la célébration palier, non? Oui, les nouvelles animations, j'en ai parlé à Sval. Mais je crois que c'est juste des nouvelles. Ça apporte rien de plus, en fait. Ça apporte rien de plus. Bah, du coup... Ah, pétard mouillé, les gars, pétard mouillé. On va invoquer pour Gohan Beast. En fait, on va quand même invoquer pour avoir les deux. Mais je sais pertinemment que ce ne sont pas des unités qui vont bien vieillir. Donc si vous êtes free to play, pensez-y avant de all-in. Pensez-y. Alors, sur mon compte Jap, de toute façon, on va l'invoquer parce qu'on a besoin d'unités pour, voilà, pour notre box, hein, pour faire les showcases. Mais pour la version globale free to play... Je choisis qu'un seul des deux portails, mais je sais pas lequel. En vrai, Piccolo, ce serait un meilleur investissement parce qu'il semble bien tanky. Mais Gohan, parce que c'est la bête, quoi. Ah là là, on va invoquer pour une unité qui sera dépassée dans 6 mois. Même plus vite, même. Ouais, je vais faire un choix, je verrai, les gars. Bon, et sur ce, les amis, passez une bonne journée. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire de vos DS? Est-ce que vous allez invoquer ou pas? Maintenant que vous connaissez leur kit. Voilà. Allez, ce soir, à très bientôt. Ciao.